as gardé tout sur Paco? Pourquoi est-ce que tu as gardé cette boîte comme un trésor secret? Ça ne te concerne pas, je n'ai pas à te donner d'explication sur ma vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la rencontre, on va dire de la discussion du tête-à-tête entre Mamushka et Apollo. Moi, ce tête-à-tête, je l'ai trouvé vraiment très très dur pour Apollo. D'ailleurs déjà, en fait, pour moi, il était vraiment très dur pour Apollo. Pourquoi? Parce que lorsque j'écoute les propos de Mamushka, j'ai l'impression, en fait, là déjà, Mamushka est en train de faire une déclaration d'amour à son fils Apollo. Et non Paco, en fait. Donc Paco qui se fait passer pour Apollo, pour moi, c'est très dur pour lui. Mais vraiment, alors je comprends pas comment le scénario à ce moment-là est fait. Parce que pour moi, là, en fait, Paco est en train d'écouter sa mère faire une déclaration d'amour à son jumeau Apollo et pas lui. Parce que lors de la discussion de Mamushka et Apollo, qu'est-ce que Mamushka dit à Apollo? Mamushka dit déjà à Apollo, c'est un enfant à part. Donc c'est un enfant à part. Du coup, pour elle, la meilleure chose à ce moment-là qu'elle devait faire, c'est d'abandonner Paco pour le protéger lui. Moi, en fait, c'est comme ça. Je vous mettrai le fichier audio, mais c'est comme ça que moi, je le comprends. Alors, je le comprends personnellement, pas je le résume, parce que résumer et interpréter, c'est différent. Parce que lorsque je fais des résumés, je ne donne pas mon avis là-dessus. C'est-à-dire, j'explique, je fais le résumé tel que l'épisode est présenté. Par contre, quand il s'agit de donner mon avis, là, j'interprète à ma façon. Donc là, quand j'écoute la discussion, j'ai l'impression que là, en fait, Mamushka fait déjà une déclaration à Apollo. C'est très dur déjà pour une mère qui dit à Apollo, donc il n'est pas au fond, que pour elle, le meilleur choix, c'était d'abandonner Paco pour le protéger lui. Déjà, pour moi, c'est très dur. Elle utilise bien le mot abandonner Paco pour le protéger lui. Alors, tu as eu tes jumeaux avec Monsieur Alfonso Lombertini. Je me jure de ne rien dire à tes frères, d'accord? Je te le jure. Quand j'ai connu Napoléon, tu avais un peu plus de 2 mois. Napoléon était un homme incroyable. Il t'a accepté, il n'a jamais fait de différence entre toi et tes frères. Mais ces 2 mois que nous avons passés tous les deux seuls ont été assez pénibles. Je crois que c'est pour ça que j'ai cette relation si forte avec toi. Bien sûr, j'aime tous mes fils de la même façon, mais j'ai tant lutté pour rester avec toi. Ils avaient trouvé une façon de te protéger d'Alfonso en abandonnant Paco auprès de lui. Donc moi, là, en fait, je suis choquée, en fait, pour Paco. Mais bon, le scénario est fait de telle sorte, à la fin, ils vont faire la paix. Mais moi, vraiment, les propos de Mamushka, pour moi, c'est vraiment très dur, en fait, pour Paco qui se fait passer pour Apollo. Donc là, déjà, il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Après, c'est vrai, Mamushka va se rattraper. Elle va expliquer à Apollo que non. Elle va suivre au loin la... On va dire... elle va suivre au loin la vie de Paco. Mamushka va détailler tout ce que Paco faisait à ce moment-là. Les vêtements qu'il portait, les tournois de sport qu'il faisait à ce moment-là. Là, Paco, il est sûr et certain, c'est sa maman. Il décrit les tenues, mais Paco, à ce moment-là, c'était un enfant. Il se rappelle aussi des tenues qu'il portait à ce moment-là. Il se dit, c'est ma maman, c'est le soulagement pour Paco. Mais Paco, vraiment, à un moment donné, il est agacé. Il va reprocher à Edilazia. Il reproche à Edilazia pourquoi n'a-t-elle pas eu, en fait, l'envie ou voilà de casser ce pacte, parce que c'était pas bien pour elle déjà de voir son fils à distance et de voir aussi pour lui aussi Apollo ou Paco, on va dire, parce que là Mamushka est en train de parler de l'histoire de Paco, de son frère jumeau Apollo. Pour lui, il n'y a que Paco qui est né. Quand je suis sortie de cette maison, il a fallu que je choisisse un de mes bébés. Ce fut le choix le plus difficile de ma vie parce que je savais que je devais laisser une part de moi-même pour toujours. Voilà toute l'histoire. Et tu n'as jamais eu envie de rencontrer Paco? Évidemment, oui, imagine. Je l'ai toujours désiré, j'ai toujours suivi sa vie avec attention, mais tout en restant caché. Tu te souviens des jours où je disparaissais et vous demandiez à Napoléon où allait Mamushka, particulièrement toi, qui étais plus attaché à moi?
Après tant d'années et de secrets, maintenant tu sais, c'est bien. J'allais voir Paco, en cachette. J'ai assisté à sa première communion. Et à une présentation qu'il avait faite à l'école en jouant du piano. Donc, Apollo reproche donc à Mamushka d'avoir laissé Paco. Donc, d'avoir laissé Paco, voilà, ça agace Paco. Et là, Mamushka se défend en disant que non, c'était pas possible. À ce moment-là, Alfonso mettait tout le temps les gardes du corps. Donc, là, c'était impossible pour elle de voir Paco. Bon, là, on est un peu d'accord avec elle parce que quand on voit le comportement d'Alfonso, on se rend compte que non, c'était compliqué pour elle. Parce que à ce moment-là, Alfonso était jeune, elle aussi était jeune. Alfonso, déjà, il est vieux. Mais dans sa vieillesse, il est très, très dur. Vous avez vu ce que Alfonso a fait à Preta, en fait. C'est vraiment très, très dur, en fait. Alfonso s'est déchaîné contre Preta. Mais, oh my God, mais c'était compliqué pour Preta. Alfonso sort ses avocats pour ravir un rail que Alfonso n'a jamais connu de sa vie, que Preta lui a ramené comme ça. Voilà ton petit-fils. Et là, Alfonso adopte le petit-fils. Donc déjà, Alfonso, lorsqu'il entame la démarche vis-à-vis de Preta, il le fait en tant que petit-fils qu'il a adopté. Donc pour lui, c'est pas son petit-fils de sang. Mais vous voyez comment elle a été cruelle envers Preta. Donc là, je comprends donc ce que Mamushka veut dire là, c'était très très compliqué. Donc comme je disais, à ce moment-là, Alfonso était jeune, toujours, on va dire, peut-être dans ses affaires d'entreprise et tout. Je pense à ce moment-là, il était encore très très dur. Donc là, je suis d'accord avec Mamushka qui dit que Alfonso n'aurait jamais pu déjà la laisser voir Paco. Donc c'était impossible. Donc Mamushka, là quand même, je lui donne un point, on va dire. Mais vraiment, la discussion de Mamushka et Apollo, pour moi, je l'ai trouvé vraiment dur pour Apollo. Voilà, je mettrai le fichier audio, mais des fois, j'aime pas trop mettre les fichiers audio parce que quand je les mets, du coup, la vidéo devient très longue. Une vidéo qui devait faire, par exemple, 10 minutes, bah, elle se met à faire 13 minutes ou voilà, je ne sais pas, mais le temps, voilà, du fichier audio, mais je mettrai comme ça, vous allez écouter. Donc voilà, lors de cette discussion, il y a vraiment beaucoup d'émotions de la part de Paco. Franchement, il est vraiment touché. On sent que c'est lui, peut-être Mamushka, elle ne se doute de rien. Mamushka voit Apollo qui pleure pour Mamushka. Apollo pleure son frère jumeau. Paco déjà découvre la vérité, mais aussi, voilà, il a les deux versions en fait. Paco qui se fait passer pour Apollo et Paco qui écoute les propos de sa mère. Donc, elle parle de Paco. Paco écoute. Il y a aussi un moment très dur que j'ai trouvé. Voilà, pour moi, ses propos étaient vraiment durs de Mamushka. Elle va dire à Paco, heureusement que lui, Apollo, en fait, n'a pas grandi avec Alfonso. Sinon, lui, Apollo, il allait mourir dans ce crash d'avion. Et là, Mamushka dit bien à Apollo, elle n'aurait pas supporté. Elle aurait, elle aussi, décédé ce jour-là. J'ai dû fuir Monsieur Alfonso pour qu'il ne pose jamais des yeux sur toi. Pour qu'il ne puisse pas détruire ta vie comme il l'a fait avec celle de Nico. Donne-moi. Je t'en prie. J'ai fait ça. Parce que je t'aime énormément. Parce que je suis ta Mamushka. Mamushka. Tu es mon mère. Tu es ma mère. Et maintenant, tu es au courant de tout. Pardonne-moi si j'ai été dur, mais c'était important pour moi. Je m'en doute, c'était ton frère jumeau. Si j'avais fait un autre choix, tu aurais été élevé par Alfonso et tu ne me connaîtrais pas. Et je t'aurais probablement perdu dans cet accident. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas eu lieu, Apollo. Parce que si tu étais mort, je me serais tuée avec toi. Pour moi, ces propos, je les trouve très durs aussi pour Paco. Parce que Paco est décédé. Mamushka, elle n'est pas décédée, en fait. Mais pour Apollo, elle le dit. Donc, si Apollo était décédé dans ce crash d'hélicoptère, elle, ce jour-là, elle serait décédée. Donc, quand on voit Mamushka, on voit une Mamushka vraiment
Elle est sûre de ses propos, mais pas pour décéder à longtemps. Mamushka continue toujours à faire sa belle vie. Donc, c'est vrai, il y a des moments, la mort de Paco l'a vraiment impactée, surtout dans ce, on va dire, dans ce scénario où elle porte tout en elle. Les enfants ne se doutent de rien, mais les enfants questionnent Mamushka parce que Mamushka est vraiment intéressée par ce qui se passe. Vous vous rappelez à ce moment-là, les infos, ça ne parlait que de ça, le crash d'hélicoptère. Donc, Mamushka, elle, au fond, elle n'arrivait pas, donc elle est obligée de mentir à tous ses enfants. Elle garde ce secret vieux de 30 ans, elle ne peut pas le dire en fait. Donc Mamushka, au fond d'elle, elle est là, elle est calme, elle suit, elle est sous pression. Donc on voit quand même Mamushka aime Paco. Mais je trouve que Mamushka aime plus Apollo que Paco. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur ce qui arrivera parce que là actuellement Apollo est mort. Comment ça va se terminer cette histoire-là, j'en dis pas plus. Alors, les amis, vous avez vu aussi la Paco. Est revenue chez Preta. Paco a appris que Preta va se marier. Paco a appris que Preta va se marier. Ce jour-là, Paco, c'est le drame, en fait, lorsqu'il apprend le mariage de Preta et de Philippe. Paco n'est que l'ombre de lui-même, en fait. Il pense à tous les moments qu'il a passés avec Preta, la promesse de mariage, sa demande de mariage. Paco devient l'ombre de lui-même. Il rentre chez lui. Il est toujours là. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, ce que j'ai aimé, vraiment, le scénario, franchement, les scénaristes, vraiment, sont très intelligents. En fait, ils font les choses de manière fluide. Et là, lorsque Paco rentre chez moi, c'est pas Paco qui l'annonce à moi, en fait, que non, il était chez Preta et Preta va se marier. Non, 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 c'est Mamushka qui se pointe, qui emmène le riz au lait au couple Apollo-Moa. Et Mamushka demande à Apollo, est-ce qu'on l'a invité au mariage de Preta? Donc Moa déjà qui conseillait Paco, parce que Moa, à ce moment-là, avait vu que Paco, ça n'allait pas. Mais Moa ne savait pas pourquoi ça ne marchait pas avec Paco. Et là, Mamushka se pointe. Et elle dit à Paco, à Apollo, on ne l'a pas invité au mariage de Preta et de Philippe. Et là, c'est le drame. Moa est agacée, Moa découvre en fait que, voilà, Moa associe les deux liens, on va dire. Moa associe Paco et sa morosité et le mariage de Preta, parce qu'avant là, c'était pas ça. Parce qu'avant ça, c'était pas ça en fait. Moa se disait que non, vu les problèmes qui sont là, qui n'arrêtent pas de tomber pour Paco, voilà pourquoi il est comme ça. Et là, Moa, c'est le choc en fait. Moa, franchement, elle a vraiment une maîtrise. Franchement, je n'aimerais pas du tout être à la place de Moa. Moa s'agace parce que Moa comprend directement que Paco est dans cet état à cause de Preta qui va se marier. Moa, franchement, depuis le début. Après, je comprends que Moa, je pense, depuis le début, elle a fait une erreur. Parce que lorsqu'elle s'est mise en couple avec Paco, c'était elle qui avait le dessus en fait, c'était elle qui chassait Paco à chaque fois. Et Moa ne voulait pas s'engager dans une histoire d'amour parce que Moa venait de perdre Pedro. Donc en plus Moa est malade, elle a une tumeur au cerveau, donc Moa ne voulait pas s'engager dans une relation avec des projets parce qu'elle savait, donc selon elle, elle allait mourir d'un instant à un autre. Donc Moa vraiment se projeter dans le futur, c'est hors de question pour elle, donc à ce moment-là. Donc du coup, lorsqu'elle va se mettre en couple avec Paco, pour elle c'était juste comme ça. Donc du coup, tout ce que Paco vivait à côté, donc l'histoire de Preta à chaque fois, parce que moi et Paco, l'histoire de Preta, c'est l'ombre en fait qui plane sur eux. Donc moi, elle s'en foutait. Mais à un moment donné, franchement, elle, ça la gâte souvent parce qu'il y a tout le temps Preta qui revient dans leur relation. Et là, je pense que moi, et vraiment, je pense que c'est la immorale vraiment d'acier. Dans la vraie vie, franchement, j'aimerais pas être à la place de moi. Tout le temps supporter, en fait, l'ombre d'une ex qui plane sur vous. Parce qu'il n'y a aucun jour qui passe, franchement, sans que Paco n'évoque Preta. Donc, et moi, continue à faire avec. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est le choc. Donc là, Preta va se marier avec Philippe et c'est le début des problèmes, les gars. Franchement, oh my god, j'en dis pas plus. Donc moi, cette vidéo concernait vraiment la discussion entre Mamushka et Paco que moi j'ai trouvé très dur en fait pour Paco, parce que là, moi j'ai l'impression que Mamushka faisait une déclaration d'amour à Apollo. Voilà,
en parlant de son fils Paco qui est décédé. Et pour moi, les propos, vraiment, je ne sais pas, mais c'était très dur. Alors, je ne sais pas, mais voilà, c'était très dur. Mais bon, Paco, lui, il est heureux de retrouver sa Mamushka. D'ailleurs, il va me dire, Ulysse, la première fois qu'il va voir Mamushka. Au fond de lui, en fait, il s'est senti directement à l'aise. D'ailleurs, il a parlé des liens du sang avec Mamushka la première fois. Elle a accepté Mamushka directement comme sa mère. Donc, pour Paco, les liens du sang sont très forts. D'ailleurs, il va le dire aussi pour Ray, lorsqu'il va voir Ray pour la première fois, vous rappelez, au club d'escrim. Pour lui, il va le dire aussi à Ulysse. D'ailleurs, les deux personnages, Ulysse et Paco, ce sont des personnages qui se disent la vérité depuis quasiment peut-être vers l'épisode 20, je pense, jusqu'à la fin. Ces deux personnages qui se diront toujours la vérité, en fait. Donc, il va le dire à ce moment-là aussi à Ulysse, lorsqu'il va voir Ray pour la première fois au club de script. Il le sent au fond de lui que c'est son fils. Il le sent, même si les tests ADN disent le contraire, mais il le sent. Là, Paco, oh my god, je sais pas comment ça va se terminer avec Preta, mais je redis encore, ça va. Je sais pas si ça va fighter, oh my god, mais il y aura des problèmes. Paco, moi, Preta, ça va chauffer. Il a fini par découvrir le secret. Donc voilà les amis, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. J'espère qu'elle sera courte. Mais j'ai envie de mettre un peu les fichiers audio, comme ça vous allez écouter une partie de la discussion que j'ai pas mise la dernière fois. Mais j'espère, donc dans l'épisode, j'ai pas mis cette partie. Mais j'espère qu'elle va passer. Donc les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Ray, quand j'aurai fini de balayer, je veux que tout soit rangé. D'accord? D'accord, maman. Excuse-moi. Il paraît que tu es passé me voir chez moi. Qu'est-ce que tu me voulais? Maman? Quoi? Tu sais où est le papier qui... C'est toi? T'es Paco? 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 Maman, c'est lui Paco? Non, mon chéri, il s'appelle Apollo, ça n'est pas ton père. Il lui ressemble un peu, c'est tout. Non, il lui ressemble pas un peu. C'est le même.